attendez, attendez. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tous là? C'est pas fini. Il va y avoir peut-être un septième but. On peut regarder le but. Mais j'en reviens pas. Regarde. Tu vois? On vient de passer une soirée, mais formidable. Je ne m'attendais pas à ça. Vous savez que je crois beaucoup dans les Bleus, que je leur apporte tout mon soutien et on était tous derrière eux. Mais au début du match, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de buts marqués déjà. Et puis un si beau score, bravo, vraiment. Mais vous savez pourquoi il y a un impact sur le moral des Français? Parce que, en fait, la gagne, ça fait du bien. L'esprit de conquête, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'on est dans un pays qui, bien sûr, connaît des difficultés économiques, une crise sociale, etc. Mais souffre aussi d'une profonde défiance à l'égard de lui-même, ne croit pas assez en sa jeunesse, en ses capacités de rebondir. Et finalement, l'avantage avec les compétitions sportives, c'est qu'on peut se retrouver tous ensemble, au-delà de nos différences, derrière une même équipe, vibrer ensemble, espérer, rêver. Puis alors, quand le rêve s'accomplit, et là, c'était le cas ce soir, c'est juste formidable. Voilà, on est heureux ensemble. Vous la voyez aller jusqu'où, cette équipe de France? Jusqu'où on la voit aller, cette équipe de France? Ma foi, moi, je l'ai dit depuis le début, moi, je rêve en grand pour l'équipe de France, donc je pense qu'on la verra en finale. Voilà. Je ne sais pas avec quel score en finale, mais je pense qu'on la verra en finale.